d'abord, ils doivent résoudre les exercices concernant le logo qu'ils vont avoir en cédant des fiches théoriques que je m'enligne pour les aider s'ils n'y arrivent pas. Donc ces exercices sont accessibles à mon priorité 3, ils peuvent s'insérer autant qu'ils veulent. Et avec les statistiques de ces exercices, je pourrais, moi, au laboratoire, accompagner plus individuellement chaque étudiant, cibler leurs lacunes et assister sur leurs plateformes. À la fin du laboratoire, ils doivent me remettre leur rapport sur un papier. Et puis moi, je reprends tous les rapports, je les scanne et je les mets en ligne aussi, donc dans la partie documents sur le cours en ligne. Donc tous les étudiants ont accès à tous les rapports. Et puis les étudiants doivent poser une question sur leur rapport, donc quelque chose qui n'a pas été ou un résultat dont ils sont pas sûrs. Donc ils posent une question et c'est les autres étudiants qui doivent répondre à cette question sur le forum également. Donc ainsi de suite pour chacun de leurs rapports. Le problème, c'est de savoir s'ils vont le faire. Donc premièrement, je vais intégrer cela à la cotation des rapports de l'année. Et en plus, je pense qu'il y a un intérêt direct pour eux, c'est qu'à partir des réponses des autres étudiants, ils pourront corriger leur rapport de l'année sur le point de matière pour lequel ils ont posé une question.